entre elles et le regroupement provincial qui représente toutes les femmes qui se dit femmes en Saskatchewan qui parlent français. Alors, on essaie de défendre les droits des femmes, leurs intérêts et avoir l'occasion de se rencontrer des quatre coins de la province. Puis, c'est toujours en évolution parce que la population françaisoise et francophone de Saskatchewan continue à changer. Alors, on essaie toujours de rejoindre ces besoins-là. Alors, on commence à parler des droits des femmes, on fait des projets avec le national, on essaie de représenter toutes les différentes facettes d'être une femme vivant dans les prairies et c'est toujours un travail continu. On vient d'avoir un projet qui se termine sur les personnes aidantes et essayer de... parce qu'à un moment donné, tout le monde va devenir personne aidante. On va devoir aider un parent, un conjoint, un enfant. Alors, cette personne-là aussi a besoin de l'aide ou des outils. Alors, ça, c'est une de nos priorités. Une autre priorité, c'est le développement culturel des femmes, avoir l'occasion de se rencontrer, de développer son identité et partager avec d'autres qui vont peut-être pas vivre la même chose que toi. Alors, présentement, c'est nos deux grandes priorités. J'apprécie qu'il y a des gens de partout au monde qui viennent s'intégrer. Ils participent, des fois ils quittent, ils reviennent. On a la chance d'apprendre plein de choses des autres et que ça change tout le temps. Comme les choses qu'on faisait quand j'étais enfant, on les fait peut-être encore, mais il y a une touche avec d'autres couleurs ou avec d'autres personnes de partout au monde. Alors, ça nous donne l'occasion de grandir comme communauté. Je pense que les femmes ont une place parce que, comme on sait, on est partout. On est sur la majorité des conseils d'administration, on est dans les garderies, les conseils scolaires. Et des fois, on s'oublie. Alors, donner la chance à une femme de dire « Hey, j'ai de la place où je peux aller interagir avec d'autres femmes qui font d'autres choses ou peut-être qui font la même chose que moi, mais pas toujours avoir la tâche mentale de « Oh, faut que j'aille représenter ici. » C'est une occasion de décrocher, apprendre d'autres choses dans un environnement sécuritaire. Alors, si les gens ont des suggestions ou ont des besoins, qu'ils nous contactent, on serait bien content de discuter avec eux et voir si on peut rejoindre ces besoins-là.